Alors on va se tourner vers la parole de Dieu. Merci Seigneur de bénir aussi ta parole. Merci d'agir au travers de cette parole qui ne revient pas à toi sans effet. Merci pour ton amour, ta grâce, ta présence au milieu de nous. Amen. Comme annoncé au début du mois de mai, on va parcourir le livre des Éphésiens. En tout cas, je vais parcourir ce livre. Entre-temps, il y a d'autres prédicateurs, orateurs qui partagent d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les versets 15 à 23 de ce premier chapitre des Éphésiens. Donc, on avait vu les versets 1 à 14 dernièrement. Et aujourd'hui, on va parler de prière et de révélation. Vous verrez au travers de ce chapitre de prière et de révélation. Mais avant, j'aimerais dire quelques mots sur le sens de la Pentecôte. C'est vrai qu'on est dans le week-end de la Pentecôte. Alors, en Valais, ce n'est pas férié. La plupart des cantons de Suisse, c'est férié le lundi. Donc, certains se disent, ah, il y a un jour férié. Ils se disent, ben, c'est comme ça. Mais c'est bien plus qu'un jour férié pour se reposer de la Pentecôte du dimanche, parce que la Pentecôte, c'est le dimanche, mais il y a le lundi de Pentecôte, parce que certains ont besoin de se reposer. Ils ont tellement passé de temps dans la présence de Dieu qu'ils ont besoin de ce jour férié pour se retrouver, tellement c'était intense. Non, plus sérieusement, beaucoup ne savent pas ou plus vraiment le sens de la Pentecôte. Et c'est quand même important de se souvenir de ces fêtes. Pour les chrétiens, la Pentecôte, c'est bien évidemment c'est 50, donc 50 jours après Pâques. Ça rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. Vous pouvez lire ça dans le livre des Actes au chapitre 2. Une effusion qui a été accompagnée de phénomènes extraordinaires, qui est venu un bruit venant du ciel, semblable à un violent coup de vent, des apparitions de langues ressemblant à des flammes. Il y a eu le parler en langue, la glossolalie, des gens qui entendaient parler d'autres personnes dans leur propre langue, des langues qu'ils n'avaient même pas apprises. Ça me rendrait service, je suis tellement pas doué pour apprendre les langues. Tout à coup, pof, tu parles la langue de quelqu'un d'autre. Pentecôte est aussi, peut-on dire, le jour de la naissance de l'Église. La Pentecôte chrétienne a pu être aussi comprise comme la fête de la promulgation de la nouvelle loi, celle qui est inscrite non plus sur des tables de pierre avec Moïse, vous savez, ces deux tables, les 10 commandements, etc., mais dans les cœurs, par la suite du baptême du Saint-Esprit, selon une prophétie qui avait déjà été transmise par le prophète Jérémie. Dans Jérémie 31, versets 31 à 33, il est dit « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme une alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Le Saint-Esprit nous a été donné, transmis, apporté, accordé. Et il n'est pas juste comme ça une personne externe à notre vie, mais il est appelé à être dans notre vie. D'ailleurs, la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. À vrai dire, finalement, c'est tout l'intervalle qui sépare Pâques de Pentecôte qui était considéré par les premiers chrétiens comme un temps de fête. Vous imaginez ? Férié pendant 50 jours. Ils rappelaient tout ensemble la résurrection du Seigneur à Pâques, le temps qu'il a encore passé sur la terre jusqu'à son ascension auprès du Père pendant 40 jours. On a passé le week-end passé ce temps de l'ascension qui nous rappelle que Jésus est remonté au ciel et il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit, ce qui a été réalisé, je dirais, 10 jours après à la Pentecôte et son envoi par le Maître glorifié le jour de la Pentecôte. Dieu désire qu'on connaisse véritablement la plénitude dans bien des domaines et particulièrement dans la vie spirituelle. Et on peut se contenter d'un peu ou de beaucoup du Saint-Esprit, mais notre objectif ne doit pas être juste un peu ou beaucoup, mais finalement en tout temps. En tout temps et partout.
Le verbe « remplir », qu'on serait rempli du Saint-Esprit, signifie « emplir de nouveau ». Ce n'est pas juste un présent comme ça, il s'est passé, pouf, c'est fait. Mais c'est vraiment un présent actif, un présent continu qui nous parle de cette... ça n'arrête pas de se remplir, finalement. Et finalement, ça crée aussi un débordement. Être rempli du Saint-Esprit, par exemple, ce n'est pas seulement une expérience ponctuelle. Hop, il y a eu une super conférence, un super temps où on a prié pour moi, mais c'est un état eh bien, qu'on devrait entretenir et rechercher. On peut entretenir eh bien, aussi le feu du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans nos vies, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par le chant, la louange, l'adoration, chanter des psaumes. On a tous ces psaumes aussi qui sont comme une louange au Seigneur qui nous est donnée. Et ce n'est pas juste de temps en temps, quand on vient dans un culte ou une grande réunion, un rassemblement, qu'on a un petit shoot du Saint-Esprit et puis un renouveau. Non, c'est en permanence, en permanence, en permanence. Par la visitation de son esprit, Dieu vient travailler l'être intérieur du croyant et le conduire pas à pas vers la maturité. Et la fête de la Pentecôte, c'est aussi l'occasion de rappeler que derrière ce jour, il y a une dimension historique, mais aussi personnelle où... chacune et chacun peut être rencontré par Dieu. Et rien que de se souvenir qu'aujourd'hui, eh bien, qui que tu sois, tu peux être rencontré par Dieu. Dieu veut te rencontrer. C'est pour ça qu'il est venu sur terre en personne, Jésus-Christ. Finalement, lorsqu'il est remonté, il a dit « Mais vous ne serez pas seul, je vous envoie un autre, le Consolateur qui sera éternellement avec vous, le Saint-Esprit. » Donc il veut être pour toujours avec nous. Pas juste de temps en temps, quand on est dans un rassemblement, mais toujours chez vous aussi, au travail. À chaque moment et à chaque instant. Alors revenons à Éphésiens 1, 15 à 23. Tout comme je l'ai dit au début du mois, lors de ma première prédication de cette série sur les Éphésiens sont un trésor de la grâce de Dieu. Paul commence cet épître en parlant des bénédictions époustouflantes de Dieu pour ceux qui sont en Christ. Et vous pouvez retrouver ce message sur notre site internet si vous ne l'avez pas écouté. Et si vous le souhaitez, il y a aussi tous les autres messages qui sont répertoriés. L'apôtre emprisonné invite le lecteur de sa lettre à revenir sur l'œuvre de Dieu. Dans le passé, la compréhension de la grâce de Dieu en Jésus-Christ donne à l'Église le pouvoir de mener la vie chrétienne dans un monde qui est compliqué, qui est brisé, qui est souffrant. Et en mettant en pratique les enseignements des Éphésiens, eh bien on cherche à la fois la sainteté personnelle, mais aussi des relations transformées entre nous. On voit dans cette première partie, ou on a vu dans cette première partie, les versets 1 à 14, eh bien qu'on est appelé par Dieu. Nous sommes appelés par Dieu. Vous pouvez peut-être vous le dire, mais je suis appelé par Dieu. Et on a entendu ce verset ce matin, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Vous êtes appelés par Dieu. Et si vous entendez sa voix, il y a de fortes chances que vous l'entendiez aujourd'hui au travers de sa parole ou au travers de la louange que vous l'avez entendue, n'endurcissez pas vos cœurs parce que vous êtes appelés par Dieu. On est bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. On a été choisi aussi par Dieu avant la fondation du monde. Pas juste le jour de notre naissance, mais même avant la fondation du monde pour être saint et irrépréhensible, sans défaut devant lui, pour être mis à part. On est. Et finalement, on est ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu a désiré ça. On a été rachetés par son sang pour le pardon de nos péchés. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans les 14 premiers versets d'Éphésiens 1. On est devenu héritier et on a été scellé du Saint-Esprit. Il y a ce sceau du Saint-Esprit sur notre vie. Et s'il ne l'est pas encore, il est appelé à être déposé sur votre vie. Et un sceau qui n'est pas appelé à être enlevé, mais qui est appelé à demeurer, à prendre de plus en plus de place. Tout ça est à la louange de sa gloire. Et au verset 13, Paul nous dit que c'est en lui eh bien, qu'on a, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui nous sauve en lui, nous avons cru, nous avons été marqués de l'empreinte du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, on a ce sceau sur notre vie.
Et aujourd'hui, tu peux te dire, mais j'ai le sceau de Dieu sur ma vie. Et ce sceau, lorsque on met un sceau sur un document, eh bien, ça certifie eh bien, que tu appartiens à Jésus-Christ. Et si ce n'est pas pleinement le cas, eh bien, tu peux demander à Jésus, mais dépose ce sceau sur ma vie. Paul indique que le Saint-Esprit a été promis parce que Jésus avait annoncé à ses disciples que Dieu leur enverrait le Saint-Esprit. Et lorsqu'une personne est scellée du Saint-Esprit, eh bien on sait qu'elle appartient à Christ et qu'elle est revêtue de son autorité. Alors on va lire Éphésiens 1, 15 à 23. Vous recevrez aussi des petites feuilles avec le rappel de ce texte. Je vais juste le lire pendant que ce texte vous est aussi distribué. Vous pouvez le lire à l'écran. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes et en tous. Dans ce passage, l'apôtre Paul exprime sa reconnaissance, sa prière pour les croyants d'Éphèse, mais il nous enseigne également des vérités profondes sur notre relation avec Dieu à travers Jésus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de prière, de sagesse et de révélation ce matin. Et il faut savoir que de tout temps, les humains ont cherché à être éclairés pour savoir où est la vérité, comment marcher dans la vie, trouver la direction, en désirant avoir des révélations, des illuminations, des directives, des conseils, pour savoir que faire, quoi faire, comment se diriger dans l'existence, qui est en fin de compte la raison d'être, la philosophie. Je dirais, que fait la philosophie ? Philosophie de philia, amour, et sophia, sagesse. Donc philosophie, amour de la sagesse. Et l'être humain, au travers de la philosophie, cherche la sagesse. Mais l'apôtre Paul, lui, va chercher le sens de la vie, la sagesse et la révélation à la seule vraie source. Dieu. Il demande que ce soit Dieu qui apporte la véritable illumination des croyants, la vraie révélation. Donc Paul prie pour les chrétiens éphésiens. Éphèse, qui est en Turquie actuelle, où il y avait des divinités, de l'idolâtrie, de la ferveur religieuse bizarre, de l'architecture incroyable, des théâtres, des grandes villes, de plusieurs kilomètres de long. Éphèse, qui était une ville idolâtre. Et tout ça se déroule dans ce texte que je viens de lire, les versets 15 à 23, où on voit, se déroule en trois temps. On y découvre une forme de louange, d'adoration, on y découvre de l'intercession aussi. Et on y découvre aussi la révélation de la grandeur et de la puissance de Dieu. Alors voyons un petit peu plus en détail ces trois aspects. Dans sa prière, Paul dit à plusieurs reprises « je prie ». Je prie pour, je prie que. Mais déjà, ces premiers versets qui sont affichés là contre le mur ou que vous avez sous les yeux, Paul commence en disant « c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières, de la louange. » Paul est reconnaissant. Il est reconnaissant pour leur foi en Jésus-Christ et il est reconnaissant pour leur amour pour les chrétiens. Il est reconnaissant. La raison de la louange de l'apôtre Paul, c'est la foi des Éphésiens.
cette foi non pas en un truc bizarre, mais cette foi au Seigneur Jésus, foi dont il a entendu parler. Alors souvent, il y a des rumeurs qui circulent, des bruits. On m'a dit que, il a été dit que, des rumeurs un petit peu bizarres, loufoques. Il y a des rumeurs qui circulent, mais ça, c'est une bonne rumeur. Paul a entendu cette bonne rumeur, cette véritable annonce, qui est totalement juste, après avoir entendu parler de votre foi. Il a entendu parler, non pas d'une rumeur, mais quelque chose de bien réel. Et il s'en réjouit. Il entend quelque chose de bon et il est heureux. Il exprime sa reconnaissance au Seigneur. Est-ce qu'il vous arrive de louer le Seigneur pour la foi de vos frères et sœurs, dans l'Église ou ailleurs? Waouh ! On peut louer aussi pour la foi des chrétiens persécutés qui, malgré la persécution, eh bien, continuent de proclamer eh bien, les vérités bibliques. Moi, je vous encourage à le faire pour vos frères et sœurs qui sont au loin, mais peut-être ceux qui sont proches. On peut se réjouir pour la foi des uns et des autres. Deuxième chose, donc on voit au verset 17 à 19, il y a une forme d'intercession. Pour la sagesse et la révélation pour le connaître, pour comprendre le merveilleux avenir promis aux chrétiens. En grec, c'est dit, c'est traduit par saint, mais c'est grec, ça vient de agios, saint, ça veut dire consacré, mis à part. Ce n'est pas les saints comme on en entend parler, peut-être au travers de la foi catholique. Ce n'est pas des gens qui sont morts, mais c'est des gens bien vivants, hein, des gens qui sont sanctifiés. Et pour comprendre la grandeur de sa puissance. Alors je prie, c'est Paul qui dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et on a besoin de cette sagesse et de cette révélation. D'ailleurs, souvenons-nous que Apocalypse veut dire révélation. Ça ne veut pas dire cataclysme, catastrophe ou autre. D'Apocalypsis, en grec, qui veut dire simplement révélation. Alors en français, ça ne ressort pas très bien. Mais en anglais, ça ressort mieux, ou en allemand d'ailleurs, c'est vraiment cette révélation de Jésus-Christ. Verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse, son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Je crois qu'on a besoin, tout comme les Éphésiens, eh bien d'être éclairé. Est-ce qu'il y a la lumière à tous les étages dans votre vie? Je parle de la lumière du Saint-Esprit. La lumière du Saint-Esprit, excusez-moi cette boutade, mais des fois je peux me la poser aussi cette question. Est-ce que vraiment toute ma vie est sous l'éclairage du Saint-Esprit? Notez ces expressions, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Prions que Dieu nous accorde sa sagesse, son intelligence, sa révélation, pour comprendre justement la révélation de sa personne et ainsi toujours mieux le connaître. On a besoin d'une révélation. On a besoin. Notez cette fameuse expression, c'est vraiment comme ça dans le grec, dans la langue originale du Nouveau Testament, où c'est dit « illuminer les yeux de notre cœur ». Et dans le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, il écrivait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». J'aime bien. Ça sort bien et ça rejoint un petit peu ce texte de l'apôtre Paul. Le but, c'est de connaître l'espérance à laquelle on a été appelé, la richesse, son glorieux héritage au milieu des croyants, au milieu des saints, au milieu des gens qui sont mis à part, qui ont ce sceau du Seigneur sur leur vie. Et le paradis, c'est ça, la richesse, son glorieux héritage. Vous avez un héritage qui vous est promis. Vous avez un héritage. Et bonne nouvelle, il y a déjà l'avocat qui certifie cet héritage. C'est Jésus. Nous déclare la parole de Dieu qu'on a un avocat auprès du Père. Jésus. Qui certifie que c'est bien à vous cet héritage. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit déjà. On a besoin de cette révélation, de cette révélation de la richesse, ce glorieux héritage promis avec tous les autres chrétiens. Et l'espérance, eh bien, c'est l'anticipation de cet héritage si merveilleux. Quand on est déjà les bénéficiaires, mais pas encore complètement.
On peut déjà en jouir un petit peu sur cette terre, mais on en jouira parfaitement, complètement lorsqu'on sera réunis au ciel. Et troisième chose que j'aimerais partager ce matin, c'est la révélation de la grandeur et de la puissance de Dieu, c'est les versets 19 à 23. On voit qu'à partir du verset 19, l'apôtre se lance dans une grande explication sur la grandeur et la puissance de Dieu. Pour ça, il nous dévoile trois facettes de cette puissance, la résurrection de Jésus. C'est quand même pas rien, hein ? C'est quand même pas rien. Il a encore été pendant 40 jours après sa résurrection sur la terre, avant de monter au ciel à l'ascension. Le règne de Christ au-dessus de tout nom et toute autorité, et la souveraineté de Christ comme chef de l'Église. Et c'est ce qu'on voit dans ces versets 20 à 23, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Donc il y a, c'est, non seulement il le dit, mais il prouve, bah, toute cette puissance, elle est là. Elle est là, ouvrez les yeux. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Parfois, on peut subir des attaques spirituelles, physiques ou autres. On peut avoir des angoisses. Paul parle même qu'il a eu des angoisses aussi. Et c'est bon de se souvenir que finalement, même s'il y a un ennemi de nos âmes, qui est là, le diable, il y a quelqu'un qui est bien au-dessus. C'est dit au-dessus de tout. Et il cite la liste. C'est écrit là, contre les murs ou sur vos feuilles que vous avez reçues, une des preuves de la toute-puissance de Dieu, c'est la résurrection de Jésus. L'ennemi n'a pas pu le garder. En Corinthiens 1, versets 22 à 25, nous dit « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Encore aujourd'hui, on cherche à faire venir le royaume de Dieu au travers des miracles. Mais c'est faux. C'est faux, c'est la prédication de la croix, folie pour le monde. Qui fait venir les miracles. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas les miracles qui fait venir la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui fait venir les miracles. C'est ce que ce texte dit. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Ah, il faut m'expliquer, il faut débattre, des débats interminables. Mais même tout ça, les débats interminables ne servent qu'à débattre finalement. Et n'apporte qu'une sagesse contre une autre sagesse, et finalement, bof. Et finalement, ce qu'il faut, c'est la puissance de Dieu manifestée au travers de cette folie de la croix. Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et la puissance de Dieu se manifeste au travers de la folie de la croix. Et ces miracles, ces signes, ces prodiges, ces miracles font suite à l'annonce l'évangile de Jésus-Christ. La crucifixion, c'est la preuve suprême de l'amour de Dieu. Et la résurrection, c'est la preuve suprême de sa puissance. Et le fait d'être monté au ciel, à l'ascension, et surtout de s'être assis à la droite de Dieu dans sa gloire, est aussi une manifestation de la puissance et de l'autorité de Jésus. La droite, c'est la place d'honneur, la place d'autorité. Je pourrais encore citer Romains 8, 37 à 39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous pourriez même l'apprendre par cœur, ce passage. Lorsque vous doutez, lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes peut-être en proie aux angoisses, dire comme Paul, je suis persuadé. Ce n'est pas j'espère que...
c'est « Je suis persuadé ». Et si tu n'es pas persuadé, approprie-toi ce passage. Récite-le, proclame-le, parce que c'est la parole de Dieu. Il y a aussi ce fameux combat spirituel d'Éphésiens 6, on y reviendra lorsqu'on sera au chapitre 6, ça va encore prendre du temps, où il dit, prenez aussi, je lis juste la fin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit. L'esprit, c'est pneuma, par le souffle du Saint-Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. C'est pour ça que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Priez par l'Esprit. Parfois, nos mots, on a l'impression d'avoir déjà tout prié, tout dit. Finalement, de se répéter, puis d'avoir un Dieu qui est sourd. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette plénitude du Saint-Esprit et de prier aussi par l'Esprit. Et si vous ne savez pas de quoi on parle, eh bien, on prie volontiers aussi pour vous, pour cette réception du Saint-Esprit sur vos vies, afin que vous puissiez vivre, manifester, bénéficier, manifester cette plénitude du Saint-Esprit. Finalement, Christ est décrit également, après sa toute-puissance, comme le chef de l'Église. Et le mot grec traduit par « chef », « kephalé », peut être compris comme « tête », qui est son corps. Jésus-Christ est le chef de l'Église, il est le bon berger, il est le pain de vie, il est la lumière du monde. Et on pourrait encore rajouter bien des attributs à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Colossiens 1, 15 à 20 nous dit qu'il est l'image, donc Christ, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que dans tout a été créé, sur la terre, sous la terre et autres, est-ce que ce tout, ça englobe également votre vie? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi comme ça. Tout a été créé. Vous êtes créé par lui, pour lui. Quoi? Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous laisser tomber? Bien sûr que non. Vous êtes créé, tout a été créé, tout, y compris vous. Pas tout le reste, mais tout, c'est aussi vous. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Je ne sais pas si vous avez vu tous les touts. Tous les touts là-dedans, tout. Même dans les couples, dans les familles, tout. Tout réconcilier, pas tout ça, sauf ça. Non, c'est tout. Tout ça englobe l'ensemble, l'entier. Et vous êtes dans ce tout qui est appelé à être réconcilié. Et si vous êtes au bénéfice de la réconciliation, considérez que vous pouvez aussi être distributeur et agent de réconciliation. Amen. J'en ai pas entendu beaucoup. Amen. Agent. Colossiens 2:10. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Donc vous voulez tout? Soyez en lui. Soyez en lui. Alors je vais conclure. Paul, dans sa prière, nous a en quelque sorte emmené dans des hautes sphères, nous a fait planer dans les merveilles de Dieu. Et ce qui est fantastique, extraordinaire, c'est que ces merveilles du Seigneur nous sont accessibles parce que Jésus est descendu sur la terre pour nous faire connaître tout ça. Il est descendu. C'est à votre portée, mes amis. Notre foi est ancrée dans le Seigneur, elle provient de Dieu. Ce Seigneur de l'univers qui s'est manifesté, révélé, fait connaître en son Fils Jésus, en illuminant les yeux de notre cœur, en nous envoyant son Esprit, afin d'habiter en nous. Et tout ça pour découvrir les richesses surabondantes de sa puissance, de son amour. On pourrait employer les termes de super, giga, méga, giga, amour pour parler de ce qu'il est vraiment. Il n'y a pas de mots pour décrire sa grandeur, son amour. Alors oui, on a besoin de cette plénitude en Jésus-Christ afin d'être illuminé. Se dire, on n'a pas un petit Dieu. Peut-être ton imagination, c'est un Dieu qui est juste là tout en bas. Mais il est au-dessus de tout.
toute autorité, toute puissance, tout pouvoir, au-dessus de tout. Même de tout ce que tu peux penser, imaginer, au-dessus de tout. Alors haut et fort, on peut proclamer le verset 20 et 21, cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Lorsque tu doutes de l'amour de Dieu, lorsque tu es en proie aux angoisses, lorsque tu ne sais pas comment tu vas te dépatouiller de telle ou telle situation, proclame la parole de Dieu. Proclame sa puissance, proclame ses vérités. Ce n'est pas du blabla, mes amis. C'est la parole de Dieu qui ne revient pas à lui sans effet. Alors oui, il y a cette louange. L'apôtre Paul se réjouit. Se réjouit non pas de bruit qui court, mais il se réjouit de la foi des Éphésiens. Il se réjouit de cet attachement. Il intercède afin que leur foi grandisse encore, qu'ils puissent discerner, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent avoir cette révélation, eh bien que Christ est au-dessus de tout. Et finalement, il prie encore pour cette révélation de la grandeur, de la puissance de Dieu, comme on l'a proclamé ce matin déjà en Jésus-Christ.